Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'horoscope 2024 pour le signe de la Vierge. Donc comme pour tous les autres signes du zodiaque, je vais faire un horoscope général ou solaire. Donc là pour le signe de la Vierge. Donc c'est un horoscope général car on prend en compte que le soleil de naissance. Donc là en l'occurrence le soleil en Vierge, donc je ne prends pas en compte donc les autres planètes du système solaire, car tout cela dépend de votre thème de naissance. Donc pour plus de détails, il faut consulter un astrologue, donc moi ou un autre bien sûr, si vous le souhaitez, pour avoir plus de détails sur un horoscope dit plus personnalisé en fait. Parce que là, ça reste de manière générale. Donc ça prend avec un peu de recul, hein, ces aspects que je vais parler, mais voilà, ça donne une petite idée de ce qui peut avoir comme influence cette année, on va dire. Donc voilà, on va parler des trois décans du signe de la Vierge. Donc je vais commencer par le premier décan, donc c'est les natifs nés du 24 août au 3 septembre. Alors c'est pareil de manière générale, hein, parce que selon les années, ça peut être décalé de 1 ou 2 jours par rapport aux années de bissextile, par exemple. Donc le Soleil ne traverse pas forcément le signe de la Vierge dès le 24 août, ou on sort dès le 3 septembre au 10e degré de Vierge. Donc voilà, ça dépend des années forcément, selon votre année à vous. Les deuxièmes décans sont les natifs nés de manière générale du 3 septembre au 13 septembre, et les troisièmes décans, donc les natifs nés du 13 au 23 septembre. Donc on va commencer par les premiers décans du signe de la Vierge. Alors donc les premiers décans donc du signe de la Vierge, donc quelles influences aurez-vous donc durant cette année? Alors on va commencer donc par un quinconce de Pluton à votre signe en Verseau, donc Soleil quinconce Pluton en Verseau, du 22 janvier au 1er septembre et du 20 novembre au 31 décembre. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça va donner une période d'un peu de changement, de transformation dans vos domaines de vie intérieurement. Sentez que vous devez peut-être passer à autre chose dans certains domaines, alors avec plus ou moins de difficultés. Un quinconce, c'est un aspect mineur plutôt difficile, on va dire, mais voilà, qui n'est pas non plus terrible, hein, vous inquiétez pas. Donc c'est un aspect de changement avec des petites choses à changer peut-être dans votre vie. Alors ça peut être par rapport à des relations avec autrui en Verseau. Hein, c'est un rapport peut-être avec des amis, des groupes. Donc il peut y avoir des choses à revoir à ce moment-là. Donc c'est surtout les natifs début du signe qui vont être concernés. Premier décan, c'est-à-dire les natifs nés entre le 22, 23 ou 24 août à peu près, qui vont commencer à sentir ce changement. Mais c'est très imperceptible, hein, donc vous en rendez pas compte. Hein, c'est un changement très progressif dans le temps. Donc c'est un aspect mineur. Donc ensuite vous avez plutôt des aspects majeurs, notamment le Soleil opposé Saturne en Poisson du 1er janvier au 2 mars. Donc là en revanche vous allez peut-être plus le sentir là assez fortement, parce que l'opposition de Saturne amène des blocages, des restrictions, des privations, des restrictions, voilà, des choses qui peuvent vous bloquer. Donc beaucoup de frustration qui peut avoir lieu pendant ces 3 premiers mois de l'année là. Peut-être pour établir des choses concrètes, alors soit avec un homme, un mari, un père, une autorité, ou en vous-même dans des objectifs de vie, quels qu'elles soient, hein, tout dépend de votre thème forcément. Là, je ne pourrais pas préciser dans quel domaine de vie, malheureusement. Mais voilà, c'est peut-être pour construire des choses de manière idéale, avec une osmose que vous souhaitez. Donc voilà, il peut y avoir des blocages pendant ces 3 premiers mois. Donc ça peut être dans le travail, l'amour, les relations ou autre, hein, tout dépend de votre thème, donc forcément. Donc voilà, c'est un aspect voilà, qui est un peu compliqué, mais qu'une fois qu'il sera passé, vous sentirez beaucoup plus. Vous allez sentir un poids en moins en fait. Ensuite, vous avez le Soleil trigone à Jupiter en Taureau du 1er janvier au 21 février. Donc là, en revanche, c'est plutôt un bon aspect, hein, avec des bons influx pour planétaires, pour de tout ce qui aura rapport avec votre épanouissement, de l'enthousiasme, pour avoir de la chaleur affective, par exemple. C'est pour des opportunités diverses et variées. Ça peut être sur le plan matériel en Taureau, donc au niveau financier, matériel. Il y a beaucoup plus d'enthousiasme, il y a plus de joie de vivre, entre guillemets, on se sent beaucoup mieux, bien dans ses baskets, dans sa peau. Donc c'est plutôt une période, malgré certaines frustrations qui peut y avoir lieu, hein, c'est vrai que ça tombe à peu près à la même période. Vous avez en revanche un beau trigone à Jupiter qui vous permet quand même de vous sentir épanoui. Alors malgré qu'il peut y avoir des blocages ou des problèmes pour concrétiser des choses dans le temps, peut-être qu'il y a des opportunités à saisir
qui seront en parallèle aussi positifs. Hein. C'est pas que tout négatif, hein. Il y a aussi du coup des choses bien aussi qui peuvent arriver. Hein. Ensuite, donc vous avez le Soleil carré à Jupiter en Gémeaux, juste après. Donc du 26 mai au 10 juillet. Donc là en revanche, c'est un aspect plutôt, alors pas forcément difficile, mais qui est plus dans l'exagération. Attention de pas trop en faire. Au niveau surtout communication, déplacement, il peut y avoir beaucoup d'échanges à ce moment-là. Puis peut-être vous aurez peut-être plus confiance en vous, voire un peu trop, et vous pourrez peut-être trop en faire, être trop dispersé peut-être. Ce qui n'est pas forcément dans vos habitudes, qui est plutôt, vous êtes quelqu'un de plutôt concret, analytique et très organisé, mais là il peut y avoir quelque chose où vous êtes un peu plus éparpillé, vous lâchez plus. Et donc attention à pas trop en faire, être trop orgueilleux par exemple, ou trop parler, vous pouvez regretter. Parce que voilà, si on parle de trop, ça peut se retourner contre vous, hein, par exemple. Beaucoup d'exagération dans tous les domaines. Donc peut-être beaucoup de contacts à nouer à ce moment-là aussi, ça peut être positif. Ensuite, Soleil trigone à Mars en Capricorne du 5 au 18 janvier. Donc là, en début d'année, bonne énergie au niveau de l'action, des initiatives à prendre, que ce soit sur le plan professionnel ou autre. Hein, mais il y a une action voilà, qui est assez persévérante, avec beaucoup d'endurance, qui vous permet d'aller jusqu'au but atteint. Donc utilisez bien bon escient cette énergie, car elle vous aidera pour atteindre vos objectifs de vie, dans quelques domaines que ce soit. Donc un début d'année assez prolifique, assez efficace et assez efficace, hein, très concret, dans toutes vos actions que vous entreprendrez. Ensuite, Soleil quinconce Mars en Verseau du 14 au 27 février. Donc là, en revanche, attention de ne pas être trop irritable. Hein. Il peut y avoir un petit côté de tension, peut-être avec autrui, avec vos relations en amitié ou autre. Donc voilà, chose à revoir. Alors, c'est pas méchant, c'est un quinconce, donc c'est un aspect mineur. Ensuite, vous avez le Soleil opposé à Mars en Poisson du 23 mars au 5 avril. Donc là, en revanche, faites attention à votre tension nerveuse, parce que là, vous serez encore plus tendu, peut-être voire agressive. Il peut y avoir vraiment des conflits, voire ouais, des agressivités, des conflits dans l'air par rapport à peut-être des choses que vous voulez mettre en place au niveau de vos idéaux, des problèmes de compréhension, par exemple, ou d'action qui tombe à l'eau, ou des choses qui ne vont pas comme vous le voulez. Donc attention, un conflit, alors peut-être aussi avec un homme, une autorité, un père, un mari, que sais-je. Donc ménagez-vous, parce que vous serez un peu tendu à cette période-là. Ensuite, Soleil quinconce Mars en Bélier du 1er au 14 mai, donc là, encore une fois un peu de tension nerveuse, mais légère. Donc peut-être beaucoup d'énergie à agir, à entreprendre de manière franche et directe, efficace sur le moment, mais parfois on peut tomber sur des petits accrocs, des petits blocages, des petites choses à revoir. Qui peut un peu vous agacer, mais c'est mineur. Ensuite, Soleil trigone Mars en Taureau du 10 au 23 juin. À nouveau, bonne énergie cette fois-ci pour établir des choses concrètes, hein, être productive. Donc, c'est quelque chose de plutôt positif pour tout ce qui est matériel, concret. Ça peut être dans les finances, amour, relations, famille, travail ou autre. Donc là, c'est vrai que utilisez bien cette énergie à ce moment-là, vous serez aidé. Soleil carré Mars en Gémeaux, ensuite du 21 juillet au 4 août. Donc là, en revanche, tension à nouveau, tension nerveuse. Hein, vous aurez peut-être du mal à canaliser votre énergie. Elle est un peu dans tous les sens en Gémeaux. Il y a ce côté un peu dispersé. Vous avez peut-être beaucoup d'idées à mettre en place, mais pas toujours bien acceptées ou bien vécues, bien perçues. Donc ça peut créer pareil, des disputes, des conflits. Donc attention encore à cette fois, à ce moment-là, parce que vous pouvez dire et faire aussi. Donc soyez plutôt attentive et mesurée à ce moment-là. Ensuite, Soleil sextile Mars en Cancer du 5 au 23 septembre. Donc là, en revanche, plutôt bonne énergie pour agir selon ce que vous ressentez, votre intuition, vos émotions surtout. Hein, il y a vraiment quelque chose d'intuitif à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à suivre votre intuition, ce que vous ressentez, ça sera bien mis en avant pour établir les actions que vous souhaitez faire. Donc ça peut être agir pour la famille en cancer, mais pas seulement. Ça peut être dans d'autres domaines de vie, hein, donc selon votre thème. Et enfin, vous avez le Soleil quinconce Nord en Bélier du 25 juillet au 31 décembre.
Donc là, il peut y avoir une petite dichotomie entre la façon dont vous voulez vous réaliser à ce moment-là, vous affirmer pendant cette période, hein, second semestre. Il peut y avoir une légère difficulté pour traverser certaines choses, vos relations. Donc à voir, hein, selon le thème de chacun, là, ça reste très général. Mais quand vous aurez, comment dire, vaincu ces difficultés, bah, ça sera que mieux pour vous. Voilà ce que je peux dire pour l'instant pour les premiers décans du signe de la Vierge. Alors ensuite on va parler du second décan du signe de la Vierge. Donc vos influences pour 2024. Alors vous aurez votre Soleil qui sera trigone à Uranus en Taureau du 1er janvier au 13 mars. Donc là c'est plutôt positif pour vraiment se démarquer, pour se sentir plus libre. Vous allez vouloir voilà plus de liberté, être indépendante ou indépendant. Donc beaucoup d'originalité aussi dans votre façon d'être. Il y a un sentiment vraiment de changer un peu, sortir des sentiers battus, donc sortir un peu de vos habitudes aussi. Donc c'est un aspect assez positif pour vous, là, pour avoir des nouvelles opportunités. Donc n'hésitez pas à les prendre hein, quand elles se présenteront à vous, parce que c'est souvent fait de manière imprévisible, inattendue. Donc sautez sur les occasions qui se présenteront à vous. Ensuite, vous aurez donc votre Soleil opposé à Saturne en Poissons du 2 mars au 31 décembre. Donc là, encore une fois, attention, risque de frustration, de blocage, de restriction. Donc on peut se sentir un peu pessimiste. Il peut y avoir un côté un peu taciturne à ce moment-là. On n'est pas trop en joie. Faire des blocages dans certains objectifs de vie, hein, certaines choses que vous voulez peut-être mettre en place de manière concrète et durable, de manière sérieuse et sereine. Donc il faudra peut-être attendre encore un peu là pour que vous soyez mieux, hein, parce que là ça peut être par exemple une frustration avec un homme, par exemple le soleil on peut représenter un homme, donc ça peut être une fin de relation dans le pire des cas, ça peut être par rapport à le père, le mari, une autorité, bon bref. Après tout dépend du thème et de la vie de chacun forcément, donc ça va après avoir au cas par cas forcément. Et dans certains domaines de vie en question. En revanche, vous aurez le trigone de votre Soleil à Jupiter en Taureau du 22 février au 14 avril. Donc malgré l'aspect précédent où je vous ai parlé de frustration, il y a en même temps un bon aspect d'optimisme et de bienveillance, enfin d'enthousiasme. Donc c'est vrai que c'est assez contradictoire, on me dirait. Mais après, tout dépend des domaines de vie. Donc là, après, c'est vrai qu'il faudrait voir dans le thème de chacun, parce que c'est vrai que ça paraît particulier comme ça. Mais ça vous donne vraiment des opportunités à saisir. Vous pouvez vous sentir à l'aise, bien dans vos baskets, dans votre peau. Donc pour saisir les opportunités, donc ça peut être sur le plan matériel hein, ou financier en taureau. Mais pas que. Donc après, selon le thème de chacun, donc à vous de saisir les opportunités à ce moment-là. Ensuite, vous avez le Soleil carré à Jupiter en Gémeaux du 10 juillet au 10 septembre. Donc là, en revanche, attention à l'éparpillement, à en faire trop, à être trop suffisant, trop vaniteux ou trop parler, trop échanger. Hein. Jupiter en Gémeaux, on est souvent dans l'exagération, donc dans un signe de communication, de déplacement. Donc attention de ne pas trop en faire non plus. Ça peut vous retourner contre vous éventuellement. Hein. Faut tourner cette fois sa langue dans sa bouche, comme on dit souvent, avant de dire quelque chose. Mais voilà, après ça peut être un aspect bien vécu dans le sens que avec Jupiter c'est jamais négatif en soi vraiment, pas un aspect trop difficile, tout dépend du thème forcément, mais voilà, ça peut être un peu trop d'excès à ce moment-là, donc voilà, soyez plus mesurés. Ensuite, Soleil Trigone Mars en Capricorne de 18 au 31 janvier, donc là, bon aspect, bonne énergie pour agir de façon concrète, efficace, pour aller jusqu'au bout de vos objectifs, vos buts à atteindre. Donc vous serez vraiment efficace à ce moment-là, dans le travail par exemple, mais pas que. Donc, aspect, vraiment bon aspect à saisir et à en profiter pendant cette période. Ensuite, Soleil quinconce Mars en Verseau du 27 février au 10 mars. Donc là, ça donne plutôt une dichotomie entre votre besoin d'affirmation et votre volonté d'agir pour un groupe, une association, un collectif ou autre. Donc tout ce qui aura pas avec. Le nombre avec plusieurs personnes, par exemple, peut-être pour des idées aussi originales, à mettre des choses en place de manière réformatrice, ça peut poser peut-être des petits couacs, des petits, voilà, des petites mésententes.
Donc attention de ne pas être un peu, voilà, un petit peu tendu à ce moment-là, ça peut arriver, mais c'est mineur. Ensuite, par contre, Soleil opposé Mars en Poissons du 5 au 18 avril, là vous vous sentirez beaucoup plus en tension. Donc là, plus de risques d'agressivité, de conflits, d'opposition. Donc entre votre volonté et puis le besoin d'agir, de s'affirmer, là il y a une opposition, ça veut dire que bah, ça vous crée de l'énervement tout simplement. Donc attention aux incompréhensions, à ce que vous voulez faire, parce que ça peut tomber à l'eau, mal être, comment dire, estimé, mal être vécu, donc ça peut vous irriter forcément. Donc attention au conflit à ce moment-là. Ensuite, Soleil quinconce Mars en Bélier du 15 au 26 mai, donc encore une fois, une légère tension dans les actions que vous entreprendrez pardon, de manière directe. Donc voilà, à revoir aussi un peu, faire attention. Ensuite, Soleil Trigone Mars en Taureau du 23 juin au 6 juillet. Donc là, en revanche, très bonne énergie pour agir, pour être productive, pour faire ce que vous avez envie de faire. Alors, ça peut être sur le plan matériel et financier, forcément, Taureau. Mais pas que, vous pouvez agir dans divers domaines de vie selon votre thème et ça peut être assez prolifique et bien vécu. Ensuite, Soleil carré Mars en Gémeaux du 5 au 19 août. Donc là, en revanche, attention à la tension nerveuse, encore une fois, aux disputes, au risque de, voilà, de commérages, de conflits, d'opposition d'idées. Hein. Mars en Gémeaux, on agit en fonction de ses idées, c'est un signe très cérébral et vous aussi, hein, signe très intellectuel, hein, signe dominé par Mercure tous les deux. Donc attention parce que les idées peuvent être mal comprises, mal adaptées ou mal acceptées, donc ça crée des conflits. Soleil sextile Mars en Cancer ensuite du 23 septembre au 12 octobre. Donc là en revanche, bonne énergie pour agir en fonction de vos émotions, de ce que vous ressentez intérieurement. Donc agissez selon votre intuition, ce que voilà, c'est vraiment conseillé. Ça peut être dans le domaine familial, mais pas que, hein, au foyer ou autre. Donc bonne énergie à ce moment-là. Ensuite, Soleil conjoint Lune noire en Vierge, donc dans votre signe du 1er janvier au 31 mars. Donc là, selon ce que reçoit cette conjonction en bon ou en mauvais aspect, bah, ça sera plutôt bien ou mal vécu. En bon aspect, bah, ça sera plutôt combler un manque, sublimer des choses dans votre quotidien, dans vous-même. Comment dire, faire des répar Il y a une réparation là, qui peut se faire sur le plan psychologique. Des choses qui peuvent vous combler, diverses choses, hein, un manque qui se comble. En mauvais aspect, il peut y avoir par contre des choses à revoir, des maniaqueries, un côté un peu hypochondriaque dans le pire des cas, voire des manies, des choses qui sont voilà, des genres de manies, de tocs ou de choses que vous avez du mal à vous passer, que ça peut un peu vous brimer. Ensuite, Soleil quinconce Nœud Nord en Bélier du 1er janvier au 24 juillet. Donc là, il peut y avoir une petite dichotomie entre le besoin d'affirmation et votre volonté. Donc, à voir selon vous comment vous allez agir, ce qui vous aide. Et Soleil quinconce Chiron en Bélier du 1er janvier au 23 juillet. Donc là, il y a des choses à revoir peut-être sur le plan de la santé, des choses à combler, des manques. Pour la guérison, ce sont vos actions, donc il y a des choses, peut-être des blessures à combler, qui peuvent être positives ou négatives, encore une fois, comment cela se vit, mais en quinconce, c'est plutôt un petit aspect difficile à combler, donc à voir ce qui se passera à ce moment-là, donc là, il faut voir après avec un astrologue pour votre thème plus personnalisé, pour avoir plus de détails. Donc voilà pour les seconds décans du signe de la Vierge. Et enfin, je vais parler des troisième décan du signe de la Vierge. Donc, alors vos influences pour 2024, donc vous aurez votre Soleil Trigone à Pluton en Capricorne du 1er au 21 janvier et du 2 septembre au 19 novembre. Donc, c'est plutôt une influence positive là pour vous transformer, pour avoir des changements positifs dans votre vie. Alors, c'est en fond de toile, donc c'est souvent de manière imperceptible. Donc, faut voir dans quel domaine de vie cela correspondra. Hein. Ça peut être aussi bon pour votre personnalité à vous. Au niveau financier, dans les échanges, dans la famille, au foyer, en amour, que sais-je, dans votre travail quotidien, etc. Donc après, il faut voir selon votre thème. En Capricorne, ça parle souvent en rapport avec le travail. Hein, c'est le dernier passage de Pluton en Capricorne. Donc c'est surtout les natifs donc,
du troisième décan, fin de signe, là, qui seront concernés, donc plutôt les natifs nés vers le 22, 23 septembre, on va dire. Donc vous commencerez à terminer un bon passage que vous avez déjà peut-être eu déjà l'année dernière, hein, vous avez dû sentir, donc plutôt positif, un renouveau quelque part. Donc à voir comment ça va se concrétiser et se poursuivre pendant cette année. Alors en revanche, faites attention parce que vous aurez votre soleil qui sera opposé à Neptune en poisson toute l'année. Donc là, attention aux désillusions, aux mirages, au brouillard, à tout ce qui n'est pas perceptible et très, très analytique, enfin très concret pour vous en fait. Vous qui êtes un signe plutôt cartésien de manière générale, c'est vrai qu'avec l'opposition de Neptune, ça peut créer un désordre. Donc vous êtes un peu dans peut-être des tromperies par exemple, ça peut être qu'un homme, une autorité ou que sais-je ou autre, où vous êtes floué, peut-être au niveau financier, on peut se faire escroquer, on peut se tromper dans une erreur de jugement. Voilà, donc c'est beaucoup des erreurs d'interprétation, on peut se tromper sur la cause qu'on croit défendre ou qu'on imaginait. Donc attention à votre intuition, à ce que vous imaginez, pouvez vous tromper. Donc soyez plutôt attentive à ce moment-là, durant cette année. Ensuite, Soleil Trigone Uranus en Taureau du 14 mars au 31 décembre. Donc là, en revanche, plutôt un bon aspect à nouveau pour se démarquer, pour être original, pour sortir des sentiers battus, voilà, pour marquer un peu votre différence. Vous sentir beaucoup plus libre en fait, vous avez envie de prendre peut-être un virage beaucoup plus peut-être indépendant, libre sur tel ou tel domaine de vie, hein. Selon votre thème. Donc bah, ce sera un aspect, voilà, c'est bien vécu, hein, pour vous, positif. Ensuite, vous avez Soleil Trigone Jupiter en Taureau du 14 avril au 25 mai. Donc à nouveau, très bonne énergie pour se sentir épanoui, bien dans sa peau, dans ses baskets, pour être enthousiaste. Pour être productif, pour faire des choses qui vous plaisent au niveau matériel, professionnel, mais dans d'autres domaines de vie également. Donc n'hésitez pas à à saisir les opportunités, parce que vous pouvez être comblé à ce moment-là et vous vous sentirez bien. Ensuite, Soleil carré Jupiter en Gémeaux du 11 septembre au 31 décembre. Donc là, en revanche, il peut y avoir un excès dans tout ce que vous pouvez faire, dire, entre guillemets. Beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, beaucoup de contacts ou de déplacements. Mais attention de ne pas être trop suffisant, trop sûr de vous, trop imposant, enfin trop en faire en fait, ou trop parler. Revoyez un peu souvent ce que vous dites, hein, tournez cette fois votre langue dans votre bouche avant de dire certaines choses, hein, parce que ça peut vous être préjudiciable dans le pire des cas. Donc attention à tout ce qui est excessif en fait. Soleil carré Mars en Sagittaire du 1er au 4 janvier. Donc là ensuite vous aurez en début d'année, juste les 4 premiers jours, un peu de tension nerveuse, peut-être après les fêtes là. Peut-être besoin de se dépenser, attention aux blessures, aux coups, aux fatigues. Il peut y avoir aussi ce problème d'agir en fonction d'un idéal qui n'est pas toujours bien compris. Donc on peut être dans une incompréhension et ça peut amener des petites disputes. C'est pas impossible. Des conflits dans le pire des cas. Donc ménagez-vous, faites attention, soyez mesurés. Ensuite, juste après, Soleil Trigone Mars en Capricorne du 1er au 13 février. Donc là, en revanche, plutôt positif pour agir en fonction de vos buts, être persévérant, agir de manière pragmatique, concrète, dans certaines choses que vous voulez établir. Donc là, c'est positif, hein, n'hésitez pas à aller de l'avant dans ce domaine-là. Soleil Quinconce Mars en Verseau, ensuite du 11 au 22 mars. Donc là, en revanche, une petite légère. Légère tension, on va dire, au sein de vos relations, peut-être, ou en amitié, dans un collectif. Donc voilà. Donc après, à voir, hein, c'est un aspect mineur, donc c'est pas forcément dramatique, mais voilà, il peut y avoir peut-être des choses à revoir. Soleil opposé Mars en Poisson, ensuite du 18 au 30 avril. Donc là, attention à nouveau, à tension nerveuse, aux disputes, conflits, par des erreurs de jugement, d'interprétation. Peut agir en fonction d'un idéal, mais on s'est trompé dans la cause qu'on croyait défendre. Qu'on voulait faire, on pensait bien faire, des fois on peut être mal, ça peut être mal perçu, donc il peut y avoir un conflit avec une autorité, un père, un mari, un homme, que sais-je. Donc voilà, à vous de faire attention à ce moment-là. Ensuite, Soleil Quinconce Mars en Bélier du 27 mai au 9 juin. Donc là, à nouveau, une petite légère tension dans vos actions, vous allez faire peut-être de manière plus franche et directe. Ça peut créer des petits accrocs, des petites tensions.
Mais c'est pas méchant, c'est un aspect mineur, donc vous inquiétez pas, c'est pas, voilà, c'est léger. Ensuite, Soleil Trigone Mars en Taureau du 7 au 20 juillet, donc plutôt là un bon aspect pour agir de manière concrète, d'être productif, d'être voilà déjà en fonction de vos de ce que vous avez envie d'établir, de vos ressentis aussi. Donc bah, ça peut être bien pour tout ce qui est domaine matériel, financier, mais pas que. Donc vous pouvez agir de manière très très productif, très prolifique. Ensuite, Soleil carré Mars en Gémeaux du 20 août au 4 septembre. Donc là, en revanche, attention au risque de tension à nouveau, nerveuse, de vos idées que vous voudrez mettre en place de manière instinctive. Il peut y avoir des accros, des disputes en Gémeaux, donc des conflits. Donc soyez attentifs par des divergences de points de vue. Et puis, une mauvaise. Des façons d'agir qui ne correspondent pas et qui ne plaît pas à tout le monde, voilà. Soleil sextile Mars en Cancer du 12 octobre au 4 novembre ensuite, donc là plutôt positif pour agir en fonction de votre émotion, vos émotions, ce que vous ressentez, votre intuition, donc suivez votre intuition. Vous êtes plutôt bien armé à ce moment-là, vous êtes bien aidé. On peut agir en famille, dans le foyer, dans la maison, ça peut être très utile à ce moment-là, mais ça peut être dans d'autres domaines de vie, hein. Soleil conjoint Lune noire en Vierge du 1er avril au 29 juin. Donc là, vous avez un aspect qui est en demi-teinte, hein, il peut être bien inspecté. Donc dans ce cas-là, vous comblez un manque, vous sentez plus. Vous sublimez un manque par rapport à certaines pratiques. Ça peut être au niveau intellectuel, mais pas que, dans des domaines de votre vie quotidienne. Hein, il peut y avoir quelque chose d'important au niveau de la santé qui peut se régénérer. Donc ça peut être dans le travail, dans votre vie quotidienne, dans votre travail quotidien, dans vos tâches, mais en mauvais aspect, si vous en recevez sur cette conjonction, ça peut être plutôt en mal vécu, donc attention aux maniaqueries, ça peut être une inquiétude plus grande, il y a une zone d'ombre là qui peut vous inquiéter plus, peut-être au niveau santé, donc ça peut avoir un côté un peu plus hypochondriaque par exemple, à ce moment-là, donc à voir forcément dans quel domaine de vie cela tombera, dans votre thème. Et enfin, Soleil Quiron en Bélier du 19 avril au 31 décembre. Donc là, il peut y avoir légères blessures, des légères tensions, des légères choses qui peuvent vous brimer un peu, selon ce que vous entreprenez. Donc à voir, hein, ça peut être une relation avec un homme aussi qui peut parfois un peu pécher, mais c'est léger. Hein, on peut avoir des petites dichotomies, des petites divergences de façon de faire, de relation et tout ça. Donc voilà, tout dépend du thème, encore une fois, que vous aurez, dans quel domaine de vie ça tombera. Donc là, je peux rester malheureusement que un général. En tout cas, voilà, j'espère que tout cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Vous pouvez me consulter justement pour avoir votre horoscope personnalisé, pour que ce soit beaucoup plus précis pour vous. Et quant à moi, bah, je vous dis à la prochaine vidéo pour le signe de la balance. Je vous remercie. Au revoir.